direction le refuge des Ailettes en Haute-Maurienne. Je suis arrivé à Bonneval-sur-Arc pour commencer la rando. Un petit faux plat jusqu'au petit village qu'on voit en bas. Puis là j'attaque le dur, on a pour 1h30, 2h de montée. Et puis une fois là-haut, ce sera séance repérage. Mais bon, avant faut trimballer tout le matos, donc une bonne suée quoi. Allez. Je suis arrivé au refuge des Ailettes, mon petit abri pour la nuit. Donc là, moi, je vais être bien à l'abri, ça c'est sûr, je vais passer une bonne nuit. Donc là, il est un peu plus de 15h, entre 15 et 16. Normalement, l'objectif, c'est d'aller en contrebas. Par ici, il y a une petite rivière avec un pont en pierre. C'est 100 mètres plus bas. Là j'avoue je suis un peu cassé, donc je sais pas si je veux partir en repérage maintenant, mais je vais déjà me reposer un petit peu et puis on va voir, sinon je descendrai vers 18-19h et je découvrirai en même temps quoi. Donc voilà, repos. Alors ça y est, je me suis un petit peu requinqué là, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Le soleil s'est couché il y a 5-10 minutes. Donc je vais me rendre sur le spot que j'avais montré tout à l'heure, qui est un petit peu en contrebas. Je vais descendre en ski, comme ça je remonterai avec les pots, ce sera je pense plus simple parce qu'on s'enfonce un peu jusqu'au genou. Donc voilà, au boulot. C'est trop beau. Alors me voilà sur le spot, il fait bien peu froid, ça va, on est bien couvert. Alors le plan du soir, donc comme je vous disais, c'était le petit pont en pierre qu'on voit juste derrière. Je vais essayer de jouer avec, donc avec mes deux boîtiers, donc je pense que je vais prendre celui-là, je vais l'équiper du 14 mm et je me positionnerai un petit peu plus loin de l'autre côté pour faire un circumpolar. Ça me paraît bien parce que le nord il est à peu près derrière moi, donc ce sera pas mal, ça fera un beau circulaire au-dessus du pont. Ça me tombe pas mal, ouais. Et puis je vais prendre mon A7 III qui est modifié. Alors le setup déjà, donc je suis avec la LX4, j'ai du mal à parler, il fait froid. La LX4 de chez Omegon, le Sony A7 III modifié Astrodon, et puis le 50 mm de chez Sigmart. Et pour ce setup, je commence à voir Orion en train de se lever, là on voit les premières étoiles. Je sais pas trop encore comment je vais jouer avec, mais Orion elle va pas mal tourner comme ça pendant la nuit, donc je pense que je vais jouer avec ça pendant jusqu'à 23h minuit, quelque chose comme ça, on verra si j'arrive à tenir. Et puis je pense que ça me paraît déjà un sacré programme, hein, donc j'ai un petit peu improvisé, mais voilà, j'ai mes idées en tête, donc il n'y a plus qu'à se mettre au boulot, hein, on va essayer ça. Il y a de la bonne neige, on enfonce un peu quand même. Je viens d'arrêter
la session là au pont, il fait moins 8000. J'ai fait quand même ce que je voulais, mais je veux pas traîner. Je préfère rentrer au refuge, c'est plus safe, on sait jamais. Puis on verra là-haut si j'ai encore la forme, je pourrais continuer la session, mais pour l'instant là, autant la jouer tranquille. Donc le temps de remonter à ski. Et puis voilà, j'espère pouvoir encore shooter après, avoir encore un peu de force. Allez, c'est parti. Alors la session au pont, là, elle est terminée, j'en reviens, là, je suis remonté au refuge. C'était pas vraiment ce que j'espérais, moi, j'ai quand même pu jouer ou faire les idées que j'avais en tête. Par contre, je me caillais les miches sévères, donc je me suis dit je préfère rentrer pendant qu'il n'est pas trop tard. On ne sait jamais s'il m'arrive quelque chose. Enfin bref, je suis revenu sain et sauf au refuge sans problème. Bon là, il fait encore super beau, il n'est pas tard, donc ouais, je vais en profiter pour continuer la session ici. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, là, on voit Orion là, qui traîne encore, elle est bien visible en haut là. La petite ceinture d'Orion, on voit trois étoiles bien lumineuses. Je vais essayer de jouer avec ça, alors peut-être juste au grand angle. Ouais, je vais voir, je vais un peu m'amuser. Là, ce qui est super ici, c'est qu'au grand angle, on a plein de sommets de plus de 3000 mètres autour, donc je pense que ça peut faire quelque chose de super chouette. Sinon, bah, j'essaierai de nouveau au 50 mm un autre panorama, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, je vais tester plusieurs choses. Allez, au boulot!